Bon, j'avais déjà joué le fou, il me semble, la dernière fois, mais c'était pour l'épisode 1, donc on va se faire l'épisode 2 aussi tout de suite. Alors, ça donne quoi? On sait pas, ok. Les défis, c'est des sortes de petites malédictions, quoi. C'est un peu comme une ascension. Oh, c'est re-toi. Alors, tu l'as commencé, ta petite dépression? Les regrets viennent-ils te frapper par des vagues de plus en plus puissantes? Non, ça va, je gère plutôt bien, je trouve. Tu es bien conscient que cela ne peut que très mal se terminer. Putain, j'arrive pas à parler. J'étais déjà coincé là pour l'éternité, de toute façon. Foutu pour photo. Putain, je parle plus, c'est bon. Je peux t'assurer que la prochaine fois, tu n'auras pas un poste de planqué au service présentation et poudre aux yeux. Tu vas te retrouver au niveau 1 avec la grenouille et l'autre débile de marine. Toute la journée, tous les jours. Les changements, c'est un peu comme les vacances. Mais alors, tu vas grandement apprécier le changement que je vais apporter aux règles. C'est parti. Elle a le seum. Elle a le seum parce que le fou, il travaille plus pour elle. Ah, du coup, c'est quoi le changement? On sait pas. Je vais baisser un peu le son. Un petit 10 de moins. Épée lancée de combat, c'est quoi? J'ai juste ça là. Il était pas comme ça le perso avant. Enfin, la dernière fois que j'ai joué, il était pas comme ça, il me semble. Enfin, je me prends des gros molars. Des gros molars dans la gueule. Vas-y, j'aurais pris la maths, quoi. Peut-être la prochaine action. Slurp, 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 slurp. Slurp, 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 slurp. Griffe ou griffe? Ah, je dois tout récupérer. Maths 3. Ouais, ça va. La prochaine action. Répète la prochaine action. J'aurais dû utiliser ça. Après, je pense qu'il me tue pas, là. Quand même. Il va juste me faire 8 dégâts, ça va. Après, je vais full régen, donc on s'en fout. Supplémentaire. C'est trop bizarre en vrai, le gameplay est tellement différent par rapport à au truc de base. Enfin, par contre là en vrai, si je gère mal un fight, le heal est à la fin quoi. À moins que j'aille pas faire ça direct, mais en vrai ça m'intéresse quand même. Là, j'aurais peut-être dû faire Fury, en fait, par contre. C'est mal joué. Ok, il meurt. Ah bah en vrai j'ai pas pris trop de dégâts. Ah mais je vais level up au prochain fight. En vrai ça va. Cookie au chocolat et spatule. On peut tout prendre ou ignorer. En vrai j'ai bien envie d'ignorer hein. C'est pas dingue je trouve. Non, je peux pas vendre. Tu peux juste acheter, mais tu peux pas vendre dans le jeu.
En vrai, je pourrais le tuer avec, avec ça. Je peux l'économiser vu que dans tous les cas, je level up. Normalement, il me tue pas au prochain tour. 4 et 5, ça fait 9. Non, en vrai, il me tuera pas. Je pense que je peux accepter. T'es pas obligé d'accepter, d'utiliser. En fait, avec ce perso, si je rajoute des cartes, en fait, ça va les... Je vais pas les piocher dans forcément dans l'ordre que je veux, tu vois. Du coup, je pourrais ne pas avoir ça en premier et devoir jouer les autres trucs. Et du coup, c'est pas ouf. Spécifiquement avec ce perso. Avec les autres, tu peux t'équiper, déséquiper, mais pas être celui-là. Bouclier à pointe ou boomerang? Boomerang, c'est vraiment pas mal. Hein. Moi, j'aime beaucoup boomerang. C'est un truc de bourrin, j'adore. Et j'adore. J'adore bourrer. Mais par contre, il y est pas là, le boomerang. Ah si, il est là. Tu vois, en fait, ça se met comme ça. Mais du coup, le boomerang, par exemple, là, tu vois, au début, je devais jouer une carte pour pouvoir la jouer ensuite. Et du coup, si j'avais rajouté les deux autres cartes, eh ben, c'était pareil, quoi. En vrai, je peux avoir un kill si j'ai un 6. Si j'ai un 6 et que je fais le boomerang x2, je le tue. Pas sûr que ce soit rentable, en vrai. J'aurais peut-être dû Fury. Non mais j'en peux plus. C'est quoi cette RNG là? Faire ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bâton, améliorer une carte. Ah, j'aime bien... J'aime bien l'upgrade de Boomerang. Alors quoi qu'il arrive, c'est un contre-coup de 3 au lieu de... Au lieu d'un contre-coup en fonction de la puissance. Ça peut être correct. Ça donne quoi? Ouais, ça j'aime moins. Je vais être beau moins. J'ai encore assez de thunes pour le bâton aussi. Je le prends. Le problème du bâton, c'est qu'il faut investir 2 dés dedans, quoi. Du coup, c'est pas fou, j'aurais tendance à dire. T'as envie de pouvoir jouer juste un dé, quoi. Ça tabasse. Alors, je peux faire 5. Donc je peux faire 10. Je peux faire 10 et 2. Je peux faire 4 de poison. Donc 14. Mais il faudrait que l'autre ce soit un 3 du coup. Ou alors je joue boomerang. Euh 14 2, ça passe en vrai. C'est bon, ça passe tout pile.
Bah, boomerang, en fait, ça me fait prendre des dégâts. Mais en même temps, ça fait stacker ma jauge et tu fais deux fois plus de dégâts à l'adversaire. Du coup, c'est cool, je trouve. C'est vraiment cool. Et du coup, avec l'upgrade, en fait, normalement, si tu prends... Genre, si je joue un 6, tu vois, je fais 12 dégâts et je prends 6 dégâts. Sauf qu'avec l'upgrade, du coup, je prends que 3 dégâts. Et c'est vraiment cool. Attaque. De toute façon, dans le jeu, tu prends forcément des dégâts. Faut juste tuer assez vite, généralement. Et c'est bon, quoi. En sachant que tu régènes quand tu level up. Du coup, tu joues avec ça, quoi. C'est ça, la mécanique. Hache de guerre et rouler. Hache de guerre, c'est pas mal, en vrai. Rouler, c'est quoi? Minimum 2, valeur du dé, moins 1. C'est de la merde, ça, par contre. Ah, c'est chiant, ça. Après, je pense que ça vaut le coup de prendre juste pour la hache de guerre, quoi. Ça donne quoi, ça, un upgrade? Mat 5. Ça fait des 6 quand tu as des 1. Ah, tu crois? Ouais, peut-être. À ce moment-là, en vrai, ça peut être intéressant, ouais. Je vais quand même upgrade ça. Lui, il faut faire gaffe, il peut tabasser, en vrai. Il peut vraiment tabasser. Si je veux, je peux tuer maintenant. En vrai, ça vaut peut-être le coup parce que lui, il fait vraiment mal. Hein. Comme ça, on prend pas de risque. Bon, du coup, on n'aura pas la furée au prochain fight, mais bon. Détruire une carte. Ah, je peux détruire rouler en vrai. Ou alors je détruis une griffe. Au final, ces deux cartes-là sont incroyables. Les griffes, bon, c'est ok. Ou alors je détruis l'épée. Je m'en servirais beaucoup moins de l'épée en fait, je pense. Après, c'est peut-être un peu con quand même de détruire l'épée. Oui, il brille, lui. Super stéro... C'est quoi? Il est boosté, genre? Jamais vu ça. Super ennemi. Et ça fait quoi? Ok, on va pouvoir tester ça. Ah, mais c'est deux ou plus! Ah, merde! Ah! Ah, merde. Bah, du coup, ouais, c'est pas... J'avais pas capté ça. Ah, merde. Bah, du coup, le blade peut être intéressant quand même. Oh non, mon boomerang. Okay. Diony, sur un 6, restaure 2. Valeur du dé plus 1. Ça, c'est pas mal, en vrai. Ça, c'est vraiment pas mal. Est-ce que je prends ça tout de suite? Ça peut être... ok, je pense.
Ah mais putain, c'est vrai que j'ai la hache de guerre aussi, j'ai oublié ça. J'ai joué à Crypt of the Necrodancer. Ouais. Mais je suis nul. J'aimais bien le jeu, mais je suis nul. Du coup, ça m'a saoulé. Au bout d'un moment. Genre, j'aime bien, mais après, j'arrive pas. Du coup, ouais, si je joue toutes mes griffes à 3, je tue. Je fais 4 par griffe. Améliorer une carte ou détruire une carte? En vrai, j'ai quoi à faire là? Je pourrais peut-être genre améliorer tricher ou alors détruire rouler. Enfin, rouler peut être utile en améliorer aussi. Enfin, je peux peut-être faire les deux en fait. Rouler, ça fait que je peux l'utiliser 3 fois. Oh, let's go. Petite régène. On se met bien. Ah, c'est chiant ça. Ça, c'est bien chiant. Bien. Un jour, je vous aurai. Vous pourrez transmettre un autre message à mon petit. Rappelez-lui que le jardinier est un collègue et qu'il n'a pas le droit de le manger. Merci. Il a cru que j'étais le pasteur, quoi. Ça donne quoi ça en upgrade? Alors du D+1 de l'utilisation. En vrai, je pense que je tège rouler, non? Après, en même temps, ça me donne un peu de. De gestion, mais. J'ai besoin d'autant de gestion en fait. Non, je prends ça en plus. Ça donne quoi ça en upgrade? Heal 3. Et ça? Ça passe à 4. Partir par là histoire de libérer le heal au cas où on est dans la merde. Il me reste quoi à venir? On sait pas en fait, c'est ça le problème. Ah ouais, on fait des bons dégâts hein. C'est quoi déjà, choc? Ah.
C'est chiant. C'est chiant. C'est un peu à double tranchant, quoi, d'avoir fait ces upgrades. En vrai, si on n'a pas assez de dés, ça peut être chiant, mais bon. Genre pour faire de la place, selon la draw qu'on a, ça peut être relou. Après, en vrai, la plupart du temps, ça le fera, quoi. L'affaiblissement, c'est chiant. Plus de ça. J'avais envie d'éviter de jouer le boomerang, mais bon, c'est quand même plus rentable de jouer le boomerang que de le laisser taper, quoi. Bouclier en bois et 4 de rechange. Comment ça, un 4 de rechange? Ça veut dire quoi, ça? Je veux ça, en vrai, je suis pas sûr, hein. C'est pas, hein. Améliorer, on peut soigner. Catastrophe. Ah, catastrophe, ça peut peut-être être bien, hein. Même soigner un peu. D'utiliser ça, par contre, je suis un peu teubé. J'y ai pas pensé. Ouais. Ça pique. Ouais, si la furie, je peux la garder pour le boss. Ça peut valoir le coup. Je sais pas s'il est vénère, lui. Il me semble qu'il est chiant, mais vénère, pas forcément. Genre, le malédiction et la cécité, c'est chiant, quoi. Il tape pas forcément fort. Par contre, il a masse dès le con.
Oh, j'ai oublié la malédiction. Oh non, j'ai oublié la malédiction. Hop là. Et là on prend ça. Ensuite on va ici et on l'upgrade. En deux génies. Ça donne quoi un upgrade? Ouais en vrai ça va. Ouais c'est assez fort hein, je pense. Là j'ai pas besoin et là j'ai plus de thunes. Donc on peut partir au boss tranquillement quoi. Ouais tranquillement quoi. Trop de ré. À vous battre. Même si vous ne gagnez pas, vous aurez appris quelque chose. Qui ne vous tue pas, vous rend plus fort. Hein. Super. C'est super. Et là, non, en vrai, on va faire ça. Ah, j'ai oublié la balle de jonglage. Bah alors, bah alors, le boss, on galère. Quel plaisir. Bah GG. C'était un boss. C'était un boss. Je l'ai éclaté. Salut, salut, c'est encore moi. J'ai aussi un deuxième avertissement, alors je vais essayer de pas me tromper. Je dois faire... Je dois dire, faites tourner la roue pour savoir si vous avez gagné. Je ne dois rien dire du tout sur le fait que c'est truqué. Je ne dois pas lire à haute voix ce dernier passage. Ça l'est là? J'espère bien. Ça me plaît bien de vous voir alors que lorsque vous remportez un épisode. Ah, je l'ai éclaté. Ouais. Je suis censé dire, vous avez perdu tout en ayant l'air de compatir. Terminé 12 épisodes, incroyable. Le cowboy. Allez hop, on repart sur le guerrier. Ça donne quoi du coup maintenant? Pire qu'une malédiction. Avez-vous besoin, vraiment besoin de tous ces PV? Vous vous débrouillerez très bien sans. Faire deux maths santé en gagnant un niveau. Oh, démarre avec une Dionée. Ah, c'est le truc qui soigne ça, non? Levez-vous tous pour applaudir le guerrier. Aussi frais qu'au premier jour, même s'il ne se rend pas compte qu'il restera ici jusqu'à son dernier. Et moi j'ai lancé le combat à chaque fois en vrai. C'est juste c'est normal. Je sais pas. Ici, cela. C'est pas grave. Mais ça, ça reste... Putain, c'est chiant. Non, je peux essayer d'avoir un 6 quand même. Oh, nice. Comme ça, je me soigne un peu. Mais en fait, est-ce que j'ai envie de level up du coup? Je pense que oui quand même, non? Parce que... En fait, si je level up pas, j'aurai pas de dés en plus. Du coup, ça risque quand même d'être dur. Ça risque quand même d'être dur. Oh, vas-y.
C'est un... Je sais pas en vrai. Putain, c'est chaud, hein. Je vais avoir pas beaucoup de PV quand même pour le boss. Oh non! Mais il me défonce là en fait. Il m'a enculé là. Ça, j'ai du soin quand même. Fiché. Ouais, j'ai 10 PV quoi, au secours. Mais frère, c'est une blague! C'est dommage, j'ai pas assez pour faire le x2, mais je vais crever là en fait. Je pouvais rien faire. Lui, il est vénère aussi, il me semble. Je vais commencer avec une attaque. Salut Rot, ça va? Moins 6. Putain. J'ai toujours des 6 tour 1 quand j'ai pas besoin de heal. Après, j'en retrouve plus. Ça va et toi? En fait, ça fait longtemps. La prochaine fois, le gros cube. C'est toi, le gros cube. Le gros cube, là. Ah, une pelle. Une pelle, ça peut être pas mal. Ah, mais c'est possible d'avoir un 6 ou je vais me faire... Je vais me faire voir. Pour être poli. Il me tue pas là quand même. Tranquille. Tu vois, j'ai toujours des 6. Bah, quand j'en ai pas besoin, en fait. Hein. Après, voilà, c'était pas mal quand même. Avec l'affaiblissement. Un petit 6 là. Oh oui. Gagner 4 PV, c'est bien. Nice, on récupère tricher. Je crois que les pommes, elles soignent en fonction des PV que t'as, en fait. Ah, c'est marrant, il met quand même... il booste quand même la première, quoi. Il est programmé pour ça, quoi.
Bouclier en fer ou bouclier à pointe? Bouclier en fer, non? Vu qu'on va pas avoir beaucoup de PV, on veut pouvoir shield, à mon avis. Obtient 2-6. Cristal de soin. Allumette. Pas sûr qu'on a envie de ça. Hein. Je sais pas, j'aimerais bien voir ce que ça donne en upgrade, ce genre de choses. Ah, putain, en fait, ça prend déjà trop de place, c'est merde. Je peux pas mettre le bouclier pour l'instant. Ça, c'est chiant. Aïe. Déjà il a. J'ai plus beaucoup de vie. Heureusement, j'ai de la régène. C'est déjà ça. Je peux mettre ça. Ça restaure 3. Y'a pas un truc pour les rapetisser, là? Ah, non! Quel con. Je voulais voir le sac à dos, putain. Quel con. Quoi, 3? Ah mais c'est une fois. Je sais pas mieux de ça. Par contre, j'ai plus de dégâts là. Arrête, ça c'est embêtant quand même. Putain, mais pourquoi c'est des trucs qui prennent autant de place? Let's go. Let's go. C'est quand même moins bien comme ça, je trouve. Hein. Comme ça, c'est mieux, mais... Mais arrête de faire des 6, je t'en supplie, quoi.
chien. Il m'a arraché. Il m'a arraché. Bon, après, j'ai du heal. Ça va même pas me remettre full vie, quoi. Griffe dague, dague griffe, c'est nul. C'est nul, quoi. Tellement la merde en vrai. Je vous le dis là, on est dans la merde. Je viens de... Putain, je viens de... Oh non, ça va en vrai. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ça va. En vrai, là, je me demande si je dois pas juste tracer à la sortie, quoi. Déjà, 18 PV, c'est pas ouf. Merde, j'aurais dû tricher avant. J'aurais même pu le shot deux fois en fait. Ah, l'enfer. L'enfer. Hyper. L'enfer, Dédé aussi. Ce bon vieux Dédé. Plus hein. Déjà je tiens pas de 6 et en plus je me fais geler m'aider, c'est super. Super crève. Épée de cristal contre bâton. Ce qu'il me faut, c'est des upgrades surtout. Alors faut ça. Je suis obligé de faire. Je suis obligé de faire. Ah non. E2, je peux les dodge. Ah ça c'est cool. Du coup en fait je peux faire deux ennemis et me casser. En sachant qu'après celui-là, je régène.
Non mais j'en peux plus. Oh mais facile. Merde, je suis con, pourquoi j'ai fait ça? Ok, est-ce qu'on... En vrai, je pense que je peux le tuer, là. Ah, mais en fait, pour le tuer, faut que je claque ça, quoi. Est-ce que je peux survivre, en vrai? Il y a un risque quand même. Ou bouclier ou dernier combat. Un coup de bouclier. Hop, avec le bouclier. Est-ce qu'il n'y a pas un petit build là avec être ça là? Quand je fais ça, non pas ça, ça. Comme ça je peux me heal, je peux me shield, et après je peux taper. Hein, c'est pas mal en vrai. J'ai quoi upgrade là? Ça c'est pas non plus la dingue. Ça non plus, et ça non plus. C'est quoi ce mob? 4 dégâts plus 2 à l'utilisation. Empreinte l'équipement jusqu'au tour suivant. Ça m'a tout l'air d'être chiant. Le seul problème, c'est que je pourrais quasiment jamais taper à plus de 6, quoi. Ah, quoi que. Che, je t'ai emprunté ça, quel enculé. Ah, mon bouclier. Mais il est con pour lui faire ça. Ah oui. Oui. Ah mais je le tue pas là du coup, putain. Non mais par pitié. Non mais sérieusement. Il va me faire mal là en plus. Mais tu sais que là s'il me vole... S'il me vole une de... S'il me vole le shield encore ou mon attaque, je suis dans la merde en fait. Plus 10. Enfin 10 plutôt. Je vais crever. Ah, j'suis... ah non, c'est bon, arrête ça, je peux tuer.
Wouah. Quel enfer. Oh, le dé sur un... Ouais, non, c'est pas... C'est pas la dinguerie, quoi. Ouais, bah, en vrai, ouais, pas giga confiant pour le coup. Pas giga confiant. On va y aller quand même. Béatrice. Jamais affronté en plus. Tiens donc, encore un dé. J'apprécierais parfois que l'on varie un peu les plaisirs. Enfin bref, allons-y. La défaite t'attend, pauvre dé. Ah, ça a l'air relou. Ça a l'air bien relou. Enfin bref, en vrai, ça... Ouais, ça va, je pense. Ça va dépendre de sa chance. Ça me fait 8 dégâts là. Et 2 shots du coup. Quand même relou. Elle peut me faire que 4. Un peu esquiver aussi. Ah oui, c'est l'esquive. Putain, j'étais en mode qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, par contre là, mettre 8 dégâts encore. Ah non, même, même 12 en fait. Eh ben, je ne joue plus. Super. Je ne joue plus au jeu. On peut me remettre 8. Mais j'ai la furie cette fois. Et ça c'est cool. Si je veux, je peux full regen. Mais je pense que c'est plus intéressant de se mettre du shield. Et puis ça va être gagné au prochain tour normalement. 5, ouais. On remet 8. En vrai, ça va. C'est chiant, mais c'est pas dramatique non plus comme boss. Et je te mets même un petit coup avant. Et bim! GG. Ok, ok, c'est ma dernière chance, alors je vais faire hyper attention. La roue tourne. Avez-vous gagné? Vous n'avez pas gagné? La salée, vous croyez?
J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Aïe aïe aïe, il va se faire envoyer le pauvre. Mais je crois que je suis en train de prendre le coup. Ok. Les éliminatoires univers parallèles. Ok, bon, bah YouTube, on va se laisser là pour cette VOD. La prochaine fois, on pourra continuer. Hein, sachant que c'est pas les mêmes titres, donc je sais pas forcément... Enfin, ça va pas être les mêmes malus, ça c'est sûr. Donc là, c'est éliminatoire en 4, c'est tout le temps ça. Mais par contre, là, c'est pas les mêmes... En 3, c'est pas la même chose. Ok. Allez, à toute YouTube.